atelier de dessin à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger. Le thème du jour, dessiner le pied de l'autre. Tout serait dans le trait. Tout se construit sur l'observation. Il y en a, tu peux foncer un peu, bien sûr, parce qu'il y a, voilà, il y a le truc. Mais non, tu n'as pas besoin. Le dessin, c'est la base de tout l'art pictural qui m'engage. Le dessin, c'est la base. Et l'étudiant doit apprendre à observer. Il doit déceler le premier plan, le deuxième plan, le troisième plan. Il doit maîtriser son trait, parce que tout est dans le trait. Après l'observation, après avoir vraiment décelé ces points, c'est le trait, il viendra le trait. Donc le trait, il peut par exemple faire un trait très fin qui dénote un troisième plan, un peu plus foncé qui dénote le deuxième plan et plus foncé qui dénote le premier plan. Et l'étudiant doit être conscient de ça, parce que le dessin, c'est l'analyse. Si l'étudiant est très conscient, le dessin lui sera très facile. Très, très facile. On peut apprendre à dessiner. On apprend à dessiner. Absolument, il faut apprendre. Absolument. Mekanesh, il n'y a pas quelqu'un qui est venu du ciel, je suis le maître. Ça, on peut être doué. Ouais, on peut être doué, mais bien sûr. On peut l'apprendre. Chofi, même quand vous dites on peut être doué, ça provient de l'amour. Il faut aimer ce qu'on fait. Et aimer ce qu'on fait, c'est être doué après. Le thème aujourd'hui est très simple. Monsieur Sergouin a dit dessiner le pied de votre copain. Donc il a simplifié le sujet justement pour que l'étudiant puisse avoir cette imagination et cette liberté de créer. Quand on regarde le pied de quelqu'un, on le dessine. D'abord, c'est live qui m'engage, it's live subject. Et en plus, c'est beau parce que je dessine votre pied, donc je me mets un peu plus d'amour pour le réussir. Apprendre à dessiner, à peindre, c'est une autre manière de voir le monde, avec ses ombres, ses côtés lumineux et ses nombreux contrastes. Par cette matinée lumineuse, les étudiants travaillent en plein air. Un atelier chapeauté par plusieurs enseignants. Ça, c'est le caractère dur, des architectures, des détails architecturaux. Maintenant, pour le caractère humain, vous avez fait des modèles physiques. Hein? Maintenant, pour les prochains modèles que vous allez faire, vous allez les faire tout de suite. Bon bout. Voilà. C'est bon? À un certain moment, on a stagné entre trois matières de dessin d'observation, dessin de modèle vivant, d'expression, et le dessin de libre. Donc là, la base de ces trois matières, c'est le croquis, comme c'est la base aussi. Le croquis, c'est la base de toute expression artistique, que ce soit céramique, peinture, sculpture, peinture, même photographie quelque part. Les storyboards, par exemple, pour tout ce qui est cinéma, tout ce qui est théâtre et tout. Et avant, il y avait 3 heures de croquis dans la semaine. 3 heures obligatoires, hein, en dehors du cours de dessin. Et c'était l'une des matières les plus compliquées et les plus difficiles que l'étudiant devait faire. Parce que c'est des dessins de 3 minutes, 4 minutes, et on devait faire pendant 3 heures. Alors imaginez le nombre. Alors ça, c'est une chose. Autre chose, c'est faire sortir l'étudiant des ateliers. Et le faire intégrer dans des cours spécifiques, comme ça, c'est pas très pédagogique. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas de sanctions pédagogiques, donc ils sont plus libres. En plein air, déjà, on a le soleil. On a plus de choix
d'études. Parce que dans une salle, soit on vous met un buste devant vous, soit on vous met un modèle. Alors qu'en plein air, généralement, c'est pour pouvoir faire des croquis de tout ce qui nous entoure. Donc on peut choisir presque tout ce qu'on veut. Donc c'est mille fois mieux. Et c'est important, il y a autant d'attrait pour le dessin aujourd'hui en école d'art. Bah oui, parce que ça s'est académisé par rapport à une certaine époque. Ce qui veut dire que, par exemple, même ceux qui sont en sculpture font dessin avec les peintres d'ailleurs. Bon, déjà, c'est impératif, c'est pas optionnel de faire du dessin d'observation et le dessin académique. On est tous obligés de passer par là parce qu'on est là pour faire de l'art avant tout. D'accord. Alors, trois croquis pour le moment et trois croquis de mémoire. De mémoire, le modèle vient là, il est là, vous le regardez, uniquement vous le regardez. Vous ne dessinez pas, vous regardez. Le prof nous entraînait à faire des croquis en mouvement, donc à nous apprendre à dessiner plus vite et du coup plus naturellement. Et c'est important d'apprendre les bases du dessin. Vous m'avez dit tout à l'heure que ça peut être moins fun d'apprendre le dessin académique de cette façon-là, mais c'est important de connaître les bases pour après pouvoir faire tout ce qui est expression et pour dessiner et peindre et créer plus librement. Je pense qu'on dessine tous un peu et que c'est le dessin et le tremplin qui nous mènera vers ce que chacun veut faire plus tard. C'est la pratique aussi qui est importante. Voilà. L'entrée à l'école des Beaux-Arts d'Alger se fait sur concours. Pour certains, la voie semblait toute tracée, même si ces jeunes étudiants laissent ouvertes toutes les portes sur leur avenir. C'était un choix réfléchi. J'ai hésité entre l'école et plusieurs autres universités. Et j'ai fini par essayer le concours, parce qu'il y a un concours d'entrée. Donc, ce n'est pas une assurance qu'on va être accepté. Ouais. J'étais acceptée et là je suis là. Moi personnellement je fais tout. J'ai fait sculpture parce que sculpter c'est apprendre l'anatomie par cœur. Et quelqu'un qui sculpte il va forcément savoir dessiner, il va forcément savoir faire des portraits. Et c'est surtout pour se perfectionniser parce qu'on vient ici déjà avec un certain niveau. Et c'est pour s'améliorer, c'est pas pour apprendre genre à zéro. Je me suis mis comme objectif après le bac d'intégrer cette école. Quand je suis entré en première année en tronc commun, là où on touche à tout en fait, j'ai fondé mon trajet sur la peinture et sur la restauration de peinture, mais en fait ça a divagué complètement et je suis tombé dans ma spécialité volume matière. Donc on touche à différents matériaux, entre l'argile, le cuivre, tout ce qui est mosaïque, céramique, du coup on touche en fait à plusieurs matières. Peut-être que je vais m'orienter vers la sculpture plus que la céramique, mais je laisse l'horizon ouvert en fait, donc je sais pas. Et c'est un exercice de reproduction. Ils essayent de reproduire d'après modèle. C'est un exercice pour une éducation visuelle. Comme ça, ça développe leur vision et apprendre à voir autrement les volumes, les masses, les profondeurs. Voilà. Donc, l'objectif de cet atelier, c'est de peaufiner leur maîtrise, voilà, leur maîtrise, le sens de l'observation, tout à fait. Et aussi essayer de faire le maximum de techniques. Par exemple, ici, c'est le modelage. Mais si on a le temps aussi, on va essayer de faire de l'assemblage, les grandes techniques de la sculpture, l'assemblage, le modelage et la taille. Thank you.
C'est une reproduction sur la Villa Abdel-Taif. C'est en peinture à l'huile, généralement pour ce deuxième semestre. Premier semestre, on a fait une reproduction d'un artiste qui s'appelle Rembrandt. Et à chaque fois, on change de sujet selon la technique et la composition de la toile. Donc à chaque fois, les gens ont pensé que je crois que les couches étaient à Krishan. Et vu que Maya a deux ans, c'est que des touches rares. Avant, ils ont fait un autre sujet, c'est le clair-obscur, reproduction d'un tableau de Rembrandt, choix libre. Et actuellement, on a choisi de faire le même tableau, c'est une reproduction des jardins d'Alger. C'est pour maîtriser après la couleur et entamer directement comment créer la perspective à travers la couleur, les plans qui existaient. Ça. Là, c'est le même résultat, mais quand on approche de la toile, chacun a sa propre touche. Mais on peut dire que c'est l'identité de l'artiste, bien de l'étudiant. C'est une séance de reproduction à l'art, barra, un tic. Voilà, on s'amuse un tic, on se prend pas la tête, on peint et ben là, quand bah déjà vitamine D, plate l'échelle Roma. Du coup, c'est mieux, on a plus d'espace, on s'amuse plus. Anna, déjà, je préfère. Tu le fais carrément, tu le fais carrément, tu le fais carrément. Tu le fais carrément, tu le fais carrément. Pour d'autres, le chemin vers cette école a dû être retrouvé après quelques errances, des détours par d'autres univers. Au début, j'étais en université, j'ai fait biologie, en fait, Ah, vous avez changé de filière? Oui, j'ai changé de filière. Et moi, je me dis, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, parce que dans le pays à l'art, tous les traitements. J'étais à Bouzeréa, j'étais en littérature française et j'ai fait le choix de quitter l'université pour venir aux Beaux-Arts. Donc c'est un choix personnel parce que je suis passionnée par ce que je fais. Donc j'ai voulu joindre l'utile à l'agréable, transmettre un petit peu, on va dire, la beauté de ce métier à l'Algérie, car actuellement c'est un métier qui, on va dire, dans d'autres pays, il est en pleine prolifération. Sauf qu'en Algérie, c'est un petit peu, on va dire que c'est les débuts. Donc j'ai envie de montrer une autre vision de notre spécialité, de notre travail, car le design graphique de base, c'est plus créatif, donc c'est de l'art, oui, mais plus transmis à partir de l'œil de celui qui nous qui va lire notre message. C'est une communication, voilà. En changeant de filière, tu t'es retrouvée? Oui, je me suis retrouvée. Parce qu'avant... Bon, je ne vais pas vous mentir, faire littérature française, c'était bien. Mais faire quelque chose avec laquelle on est vraiment passionné, ça, c'est encore mieux. Genre, gagner sa vie avec sa propre passion, il n'y a pas mieux. Pour ma part, du moins, je trouve. Est-ce qu'on peut dire que tu es heureux d'être là? Oui, vraiment. C'est un bon choix que tu as pris de changer bien de sûr. Choix. Je ne regrette pas. Ici, comme vous voyez, la spécialité design graphique, c'est surtout pour tout ce qui est publicité, tout ce qui est infographie, future infographie, spécialité design graphique, et tout ce qui est emballage, packaging, dépliant, et logo, etc. La technologie, elle est là pour favoriser, pour améliorer un peu les techniques. Parce que mais celui qui veut faire de sa spécialité un métier, il faudrait qu'il soit d'abord un très bon dessinateur et un très bon, disons, avec des imaginations. Pour la petite Sophia, à peine 13 ans, cette journée aux Beaux-Arts d'Alger est un cadeau. Un beau cadeau. Donc je vais lui donner du travail, vous allez faire quelque chose. J'ai été invitée ici à l'école des Beaux-Arts par M. Zerka, car j'ai gagné un concours international sur le thème de la Révolution mexicaine. J'ai participé, j'ai photographié mon dessin, je l'ai envoyé à l'ambassade du Mexique, il l'a envoyé au Mexique. Ensuite, ça a pris 3 mois pour avoir la réponse. Et comme... Et on a eu la réponse comme ça, comme une surprise. J'étais trop contente.
Et du coup, voilà, on a fait un calendrier avec mon œuvre. Et récemment, on a fait une remise des prix. Je rêve d'intégrer les Beaux-Arts, ça a été mon rêve depuis toute petite. Déjà, depuis que j'étais toute petite, je commençais à dessiner des robes, dessiner des... Et voilà, je suis... Oui, beaucoup. Pas loin des chevalets, les coups de crayon essaient de capter un mouvement. Ce que vous faisiez, quand j'ai pris des photos. Fixer une posture. L'atelier en plein air a ce côté festif, à la fois léger et sérieux. Dans la cour de l'école, sous le soleil, les étudiants semblent heureux. C'est une école qui nous apprend beaucoup, pas forcément tout ce qui est art et dessin, et comme vous disiez tout à l'heure, le dessin académique et tout. On apprend beaucoup des gens et des professeurs, et il y a une très bonne ambiance, voilà, c'est ça. L'environnement est très chaleureux, surtout en ce qui concerne les élèves et les profs. On est tous un peu pareils, même si on a des différences, on est tous regroupés ici pour la même et unique raison. Et donc même si parfois on a des intérêts qui sont parfois différents, on arrive à s'inspirer l'un de l'autre. Les croquis des élèves et tout seront exposés, donc ce sera sympa. C'est une journée porte ouverte, je crois, oui. Ouais. Donc c'est une journée porte ouverte, donc n'importe qui peut venir voir les travaux des élèves. Et ce seront des travaux mélangés, puisque vous n'aurez pas forcément que les croquis des élèves plus expérimentés, ceux qui sont en 3e, 4e. Il y aura aussi les croquis des premières années, des 2e années. Tous ces croquis ont été exposés. 1001 croquis. Une installation pour marquer la Journée nationale de l'étudiant. Les animations, les performances, les workshops, les ateliers sont nombreux à l'école. Mais l'exposition de fin d'année a un goût différent. C'est un peu le résultat de toute une année de travail. Elle a lieu après les examens et juste avant les vacances. Celle-ci, qui se tient sous le thème du pastel, est riche. Des supports, des médiums différents, des techniques différentes. Oui, c'est l'exposition de fin d'année des étudiants de l'école. On a essayé de regrouper le maximum d'œuvres de tous les étudiants, toutes les filières, toutes les promos. C'est important, l'exposition de fin d'année dans une école d'art. C'est une tradition. Oui. Malheureusement, on n'a pas eu la chance de faire ça mes premières années, parce que par rapport au Covid et tout. Mais vu que maintenant ça s'est calmé et tout, on a profité de l'occasion pour faire un... Quelle est justement l'importance d'une exposition dans une école d'art ? Ça donne une occasion aux étudiants de se faire connaître, de montrer leur travail. Et aussi même le fait d'exposer pour la première fois et tout, ça donne une certaine confiance en soi à l'étudiant. On a fait un studio photo et on a mis, Maître Del Tiofo, on a trois photographes, chacun son style. Et une activité, ça sera Lidjo, les invités ou là, n'importe qui, Lidja de l'exposition. S'il veut faire des photos, il choisit le photographe qu'il habbo et on fait les photos. Et puis une bateau holham, c'est quand même un petit souvenir.